pousse jusqu'à Rafael Guerreiro, c'est juste du côté portugais. Et il suffisait de le dire pour voir cette incompréhension entre Rafael Guerreiro et Ricardo Quaresma. Ouais, j'avais pensé qu'en faisant ce contrôle, il voulait peut-être déclencher une frappe derrière. Ah oui, il possède du ballon avec Quaresma en retrait et encore l'impeccable Elias Kiri. Qui a mis tout le monde d'accord en deux matchs simplement avec la sélection tunisienne.